Salut les gamers, comme toujours je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui on se retrouve sur Just Cause 3 pour une autre petite vidéo stunt. Donc c'est la quatrième vidéo que je vais faire. Puis aujourd'hui j'étais en compagnie de mon cousin Davy. Puis en fait moi je joue à Just Cause 3 mais lui il est sur Batman Arkham City. Donc Arkham Knight, ouais, désolé j'ai... J'ai un petit blanc de mémoire, donc aujourd'hui en fait j'avais, ça me tentait de faire une petite route en wingsuit, donc c'est toute cette route là au complet, puis où est-ce que c'est noir comme ça ici, où est-ce que c'est comme grisâtre ou plus foncé, c'est où est-ce que les tunnels, donc je vais faire toute cette route là au complet jusqu'à la base, jusqu'à la petite ville qui se trouve ici. Donc, s'il y a beaucoup, beaucoup de tunnels, puis je vais essayer de toutes les faire au complet. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère aussi que je vais pas me trop me planter. Il y a comme 2 minutes, je viens de le faire, puis je me suis planté, je pense, 5 fois. C'était quand même assez bon, mais je peux faire mieux. Donc, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance, et go! On va partir quand même assez rapidement parce que comme que je vous ai dit dans la vidéo de tuto en fait, je vous ai dit d'aller vite pour avoir plus de précision. Donc je vais essayer d'aller quand même assez vite, mais pas trop. Ouais, merci. Je vais essayer d'être quand même assez bon. Non. C'est site? Merde. Oh shit. J'ai failli faire la même erreur qu'avec comme je pense... Oh non. Vite. Merde, je me suis planté la première fois. Je déteste ça. C'est surtout de repartir dans le tunnel qui est dur. Parce que c'est quand même assez étroit. Mais... Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut pas que tu tapes. Puis, c'est très très difficile à contrôler aussi. Donc... Ça en fait c'est les trois premiers tunnels. Mais le pire c'est que je sais même pas si vous allez bien entendre mon cousin parce que la dernière fois la qualité c'était pas très très bon. Merde. Je vais repartir. Ouais. C'était vraiment mais vraiment poche. J'étais très 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 déçu. Ouais. Ouais, c'est la map est extrêmement grande. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Puis comme que je t'ai dit tantôt Dave, il y avait beaucoup beaucoup de détails comme par exemple, il y avait un arbre qui était presque tout feuillu. Il manquait quelques feuilles au bas de l'arbre. Puis il y en avait un comme 2 ou 3 mètres plus loin qui était carrément tout feuillu, donc qui était vraiment intact. Puis il y avait un autre qui était juste à côté, puis qui avait pas pantoute de feuilles, comme s'il y aurait, par exemple, passé au feu, mais carrément. Donc, pour les petits détails, je pense que NX, je sais pas si c'est vraiment ça le nom de la compagnie, peut-être que je me suis trompé un petit peu, mais je trouve qu'ils l'ont très très bien fait sur les détails, ils ont beaucoup beaucoup changé en fait. Puis beaucoup de choses qui ont travaillé sur Just Cause 3 par rapport aux deux. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Donc là, on est, je pense, à la moitié. Là, je me suis planté, je pense, 2 fois. Ouais, 2 fois. Ouais. Ben, si vous avez aimé le 2 ou le 1... Vous allez juste adorer le 3. Pour être franc là, moi j'ai quand même aimé ça le 2 puis tout. J'étais un petit peu perdu niveau campagne. J'étais un genre au milieu de l'histoire, je savais pas trop quoi faire puis tout. Mais après ça, j'ai commencé à plus savoir quoi faire. Puis là, je l'ai aimé. Mais là, on est quand même assez bien guidé pour faire une mission. Ça vous dit où aller puis tout. Ah oui, puis aussi, je viens de finir le petit stun, mais je vais essayer de continuer.
Donc aussi, il y avait un truc que je vais vous montrer ce soir aussi. Il y aura une autre vidéo qui va sortir. Ça va être sur où trouver la Formule 1. J'espère que vous allez être content. Parce que moi, je l'ai cherché puis j'ai vu seulement une ou deux vidéos dessus. Donc je vais en faire une, puis peut-être que ça va pogner un peu plus. Parce que nous autres, en fait, notre but, c'est de se faire connaître le plus possible. Parce que ben, c'est juste ça, en fait. C'est juste de se faire connaître. Puis, ouais. Ben, est-ce que tu penses le louer, toi? Tu penses-tu le louer? Merde. Ouais. Ben, loue-le avant. Ou au Boxing Day, sûrement qu'il va tomber en rabais ou je sais pas. Donc, c'est un jeu à conseiller si vous avez. Si vous aimez, comme par exemple GTA V ou peu importe, et que vous voulez vraiment un grappin, puis tout. Donc, il y a beaucoup de trucs. C'est quoi le rapport à Batman? C'est un petit peu différent, mais bon. Genre, il fait comme un rapport à Batman. Moi, je le vois pas tellement, le rapport à Batman. Puisque ça n'a pas vraiment un rapport. Donc je vais. Ouais. Ouais, mais il y a juste ça. Il y a juste ça qui ressemble à Batman, mais c'est tout. Genre, il y a pas grand-chose d'autre. Ok, oui. L'utilisation du grappin est extrêmement excessive dans ce jeu-là. Parce qu'en fait, c'est ça le comme, mettons, le centre du jeu, si je pourrais le dire. Le centre du jeu, en fait, c'est vraiment le grappin. Parce que sans grappin, ce jeu-là serait vraiment de la merde. Ouais. Les explosions, pis tout, c'est. Ça aussi, ça fait partie du milieu de Just Cause 3, les explosions. Donc, j'ai débloqué aussi. Tantôt, il y a, je pense, 10-15 minutes, j'ai réussi à débloquer le Monster Truck. Donc je vais peut-être faire un petit gameplay dessus. Peut-être dans la vidéo de la F1. Donc je pense que je vais finir ce pont-là. Puis après ça va être tout pour la petite vidéo de Stun. C'était quand même assez fun. J'ai réussi à toutes les faire. Je suis ben content de moi. Je vais checker pour voir si. Si je pourrais faire d'autres trucs, sinon on va se laisser ici. Il y avait un bâtiment juste là, je vais checker. Hop. Ouais, si on a le temps. Merde, non. Non, c'est presque infaisable, sauf si on passe par là, mais mon avis, non. Merde. Donc, on se laisse sur ce gros fer de merde. Donc ça va être tout pour la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime et t'abonner pour ne pas rater une seule vidéo sur notre chaîne. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et ciao!